Bienvenue dans ce rasage du jour, marque canadienne, Weatherwalk, avec le trio Triple X, le savon rasé, l'après-rasage et l'eau de parfum. Brosse synthétique M-Red, la couleur du jour, c'est le rouge. Chargement, une trentaine de secondes. C'est parti, blairotage. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et si la vidéo te plaît, n'hésite pas non plus à mettre un joli pouce qui va bien. Tout ça, ça prend quelques secondes. C'est gratuit et ça fait plaisir. Donc ici, Triple X. Donc pour ceux qui ne suivent pas, c'est la troisième vidéo de la série des Weatherwalk X. Mettre un tout petit peu d'eau. Donc le premier, la couleur c'est le vert. Le deuxième, bleu, bleu foncé. Et le troisième ici c'est le rouge. Donc bien sûr à chaque fois des senteurs différentes. Et ici, la senteur est inspirée de l'eau de Cologne italienne Acqua di Parma Colonia. Voilà pour info. Donc on peut retrouver, comparé aux deux autres, le pot comme celui-ci. Voilà, en plastique noir. Deux options, celui-ci ou en verre, comme les autres. Et ce qui diffère aussi des autres, metti un po' di acqua, la formule est au suif. Les deux premiers, c'est une formule végétale. Ici, c'est au suif. Mais pour une formule au suif, c'est pas une formule grasse collante. Je pense que le dosage du suif doit pas être important. En fait, moi perso, par rapport aux textures et tout ça, là, avec à force de l'habitude, si je n'aurais pas regardé la compo, je n'aurais pas spécialement dit qu'il y a du suif dans la formule. Pour moi, il n'y a pas grande différence avec l'autre formule en fait. Sinon, la mousse, voilà, elle se monte bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Première passe, sens du poil, rasoir M-Red, tête numéro 4, lame treat carbone. Allez, la senteur. Bergamote, orange, fleur d'oranger, lilas, rose, basilic, tonka, musc, patchouli et santal. Voilà, ce qui donne quand même une senteur puissante. Senteur puissante, très présente. Donc, comme on l'a compris, à base d'agrumes. Et ce qui fait aussi une senteur petit peu viril, masculine. C'est-à-dire que là, il y a de la rose et du lilas, c'est floral, mais moi je le sens pas du tout. Le côté lavande, oui, je le perçois. Après les notes de fond. C'est ça qui font un peu ce côté viril.
L'autre colonne, encore du Parma Colonia, je ne la connais pas. Donc je ne peux pas dire la comparer en tout ça, mais si c'est une inspiration, ça veut dire qu'il y a une similitude. Ça ne veut pas forcément dire que c'est la même senteur, mais je pense que ça s'y rapproche. Donc voilà, première passe impeccable. Dans mon coin, je vais faire travers du poêle et contresens. On se retrouve après. L'après-rasage. Alcoolisé. Voilà, ça va aller. Donc, on tombe souvent dans l'alcool. La senteur s'exprime beaucoup plus. Donc, ça fait quand même une senteur fraîche. T'agrumes. Mais avec ce côté cologne qui va en plus. En fait, c'est pas juste, comme on l'a compris bien sûr, que des agrumes. Il y a quand même d'autres choses, le côté cologne et ce petit côté aussi que, comme je disais, qui fait un petit peu viril. Voilà, ça c'est les notes de fond qui font ça. Aussi, pour ceux qui ont peur du patchouli, le patchouli, moi je ne l'ai pas spécialement, même pas ressenti, tout comme le santal, en fait, c'est tout un mélange qui fait que, et sans oublier, j'allais l'oublier, donc disponible aussi, l'eau de parfum, voilà. Donc ça, c'est uniquement disponible sur le site revendeur. Italian Barber, comme je l'ai expliqué, Italian Barber en fait, c'est le site officiel Weather Wok, sont les mêmes propriétaires, voilà. Cela dit, les produits, on peut les retrouver en France comme chez Rasage Classique par exemple. De toute façon, comme à l'habitude, je vous mettrai tous les liens en description, le récap des produits et tout ça. Normalement, vous avez l'habitude, mais c'est toujours bien de le dire à chaque fois, voilà, c'est sous la vidéo en description. Et fait que c'est ça, troisième vidéo sur 4 de la série des Weatherwalk X. Voilà, aujourd'hui c'était le triple X. J'espère que ça vous aura plu. Merci du visionnage et bon rasage.